Et salut à toutes et à tous, c'est Ocrade. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Vengeance sur Jumping Flash. C'est n'importe quoi cette intro. Alors on s'était quitté ici la dernière fois, c'est le monde 3, c'est la fête foraine apparemment. J'ai envie de jouer, je vous le cache pas. Allez c'est parti, on se lance tout de suite sur le stage 1. J'ai trop envie de jouer à ce monde. Parce que si c'est celui que j'avais sur la démo, je suis très content. Ah, pour l'instant ça me dit rien par contre. De toute façon, moi, sur la démo, je me souviens que d'une chose. C'est pas compliqué. C'est la grande roue sur laquelle je m'amusais, mais comme un fou. Alors que c'était débile, hein, mais... Bah, je veux dire, voilà, je m'amusais comme un dingue. Comme un dingue. C'était mon GTA de l'époque, quand même. Hop. Lui, on va le tuer tranquille. Voilà. Ouh, 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 ouh. Là, j'ai bien failli y passer. Parce qu'il y a les vilains avec leur pic. Voilà. Ah, dégage-toi. C'est quoi ça? Il y avait un motec. Voilà, bon, j'ai une carotte. Je sais pas où elle était, mais je l'ai eu. Voilà, hop. Yeah. Alors, pour l'instant, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je vois pas mon petit truc, donc à mon avis c'est pas sur ce niveau là, c'est peut-être sur le prochain niveau, parce que je l'ai vu sur le prochain niveau, enfin dans le, vous savez, le petit aperçu, la petite miniature là. Donc c'est bien possible. Ok, mince. J'ai atterri juste devant lui, il me voyait même pas. Bah si, il m'a tiré dessus quand j'étais en vol, mais après, il m'a laissé genre... Ouais, vas-y, c'est bon. On va faire des bisous? Ouais, pas de problème, on va faire des bisous. On va faire la bisous. Allez. Allez, voilà. Tac. Alors maintenant que vous savez ce que c'est le projet Vengeance, eh bien voilà, c'est ça, c'est du jeu rétro, c'est cool, c'est à la cool, on se prend pas la tête, on joue. Voilà, c'est ça le projet Vengeance. Tranquille. Enfin, on se prend pas la tête parce qu'on est sur, sur Jumping Flash. Hein. Parce que on serait sur un autre jeu que j'ai pas réussi à terminer, et il y en a pas mal, hein. Je vous garantis qu'il y a de quoi faire. Alors, hop. Ah, je me suis foiré là. Oh, comme je me suis foiré, c'était mauvais. Donc là, je suppose que je dois récupérer de retour mes carottes. Parce que là, je vois le niveau bonus. Je vois pas trop comment y aller en fait. Allez! Puis c'est pas évident de tout faire avec un seul stick, je vous garantis. Et en plus, à la base, ça se jouait pas avec un stick, donc imaginez-vous. Moi, je jouais à ça, j'étais avec le truc classique, quoi. Avec la manette classique PlayStation 1. Sans joystick, sans rien. C'était pas une DualShock, hein. Yeah. Allez, hop, on va monter sur le livre. Ah, je dois tout récupérer, dis donc. Ah! Voilà, hop, et de une. On va essayer de pas se foirer ce coup-ci. Tac. Le moutique, il est mort. Ça, c'est good. Hop, on monte sur les trucs là. Voilà. Yeah.
ça c'est bon. C'est tendu. Franchement, c'est tendu, les amis. Faudrait que j'arrive à... Non, j'y arrive pas! Pourquoi? Pourquoi j'arrive pas à aller à mon niveau bonus? Voilà, ça m'apprendra à dire oui, c'est Jumping Flash, on y va tranquille. Hein, voilà, ça m'apprendra. On a tué la grenouille policière. Dégage-toi. Ah ouais, du coup, je dois tout récupérer. Oh là là. On perd du temps, les amis, sur ce monde. Hein. Allez! Allez! Mais tu vas me la récupérer, cette carotte? Dis donc. Bon, où sont les autres carottes? Ah d'accord. Wouah, j'ai failli me torcher. C'est horrible. Allez, et bouge de là. Ok, il y en a une là-haut, on va aller la chercher tout de suite. Non, je me suis pris un autre ballon. Oh, ouais. Ok, c'est bon. Non, pas le missile, pas le missile. Allez, bim, bim, bim. Sur Timon et Pumba. Allez, hop. Surtout Pumba, là. Ok, il m'en manque un. T'as une, c'est une carotte. Donc, il m'en manque une. Je sais pas où elle est. Oh non, tombe pas. Oh non, j'ai fait une connerie. Oh, ça va. Je vois pas où il peut se trouver. Peut-être là-bas. Ah ouais, comme par hasard. Oh là là là. Ok, ok, ok. C'est bon. On l'a. Ok. Go to exit. Bah, désolé. Il y aura pas de niveau bonus. J'ai peur de me foirer encore. La sortie, c'est par là. Là, la sortie, elle est où? Je ne la vois plus. Encore une fois, mais c'est quoi tous ces trucs que je prends? Ah, c'est la grenouille. Dégagez, les flics grenouilles! Ouh! Ah, bah ça va. On a quand même réussi à le terminer, celui-là. Allez, c'est parti pour le stage 2. J'espère que c'est celui que j'avais dans ma démo. Je croise les doigts. Oh, ça y ressemble. En tout cas, la musique, c'est ça. Oh, je m'en rappelle plus très bien. Si, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Oui, 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 oui. C'est bien celui-là. Ça fait plaisir. Normalement, celui-là, je le connais presque par cœur. Enfin, faut que mes souvenirs reviennent, bien sûr. Lui, qu'est-ce qu'il me crache de... des trucs de boomer, lui. On va tuer la deuxième girafe. C'est des girafes boomer. Ah bah, il y en avait déjà à cette époque-là. Ah, ok, une carotte qui saute ici. Wouhou! Ah oui, j'avais oublié ça! Excellent. Hop. On récupère les trucs. Non, là ça va être tendu. On va le faire en deux temps. Tac. Non, ça marche pas non plus. Je me souviens plus comment on va là-bas.
Comme quoi, je le connais pas par cœur, hein. Ah oui, c'est ça, oui. Je m'en souviens. Là, je devais faire ça, et là, je devais faire clac, clac. C'est bon. Comme ça, hop. On prend le petit truc arc-en-ciel. Et voilà. Bah, c'est une vie, ça se récupère, les amis. Moi, je récupère ça. Surtout avec le nombre de vies que j'ai perdu sur le niveau d'avant. Faut vraiment être mauvais, quand même. Elle est là, ma grande roue! Oui! Elle est là! Je suis comme un gosse, là. Vous voyez? Et je m'amusais à sauter de truc en truc, comme ça. Et... si mes souvenirs sont bons... je suis plus très sûr. Mais je pense que je jouais aussi à faire ça, un peu comme dans... Le flic de Beverly Hills, vous voyez? C'est-à-dire que je m'imaginais qu'il y avait des enfants à l'intérieur des trucs que je devais sauver. Enfin, c'est un peu débile, mais... voilà, c'est mes anecdotes de gosse. Hein. Voilà, c'est comme ça. Alors, hop, on va aller par là. C'était absolument pas par là que je devais aller. Excellent. Qu'est-ce qu'il était bon, ce jeu. Purée. Ah, la démo, je me suis éclaté dessus pendant des heures et des heures. C'est hallucinant. Et j'en garde des bons souvenirs, hein, mine de rien. Ah, mais quel abruti. J'étais plus fort quand j'étais gosse, pour le coup. Et là, c'est Nawak. Hop. Ok, hop. C'est difficile de tout contrôler à un joystick, franchement. On prend vite l'habitude, hein, de contrôler à deux joysticks ou clavier souris. Bon là, évidemment, comme c'est un jeu de play, bon, c'est même pas la peine d'y penser, du clavier souris. Quoique j'ai le souvenir d'une souris sur play, je suis plus très sûr. On jouait à SimCity, il me semble. Hein. J'avais SimCity sur play 1. Et si mes souvenirs sont bons, il y avait une souris avec. Enfin, je sais plus si c'était fourni avec le jeu ou si c'était à part, mais il y avait bien une souris. Ok. Donc là, c'est là-bas. Donc on va aller sur les baleines qui volent, évidemment. Tout est logique, encore une fois. Ah, d'accord. Hop là! Alors là, si mes souvenirs sont bons, fallait sauter comme ça, faire des petits sauts pour pouvoir... Ah, j'ai sauté au-dessus. Pour pouvoir ralentir et récupérer les trucs qui font la course. Ok, c'est bon. Oh non, regardez, je suis juste derrière. Non, c'est horrible. C'est bon, je l'ai eu. Excellent. Ah, ça m'a fait plaisir de revoir ce niveau, les amis. Je vous jure, j'ai la fibre nostalgique, là. C'est... Ouais. Je me rappelle quand j'étais gamin, là, sur ma play. Avec la démo One. Ça me fait tout drôle. Encore plus que les premiers niveaux. Parce que comme les premiers niveaux, je les connaissais pas, bon... Bien sûr, ça m'a fait quelque chose de rejouer au jeu, mais c'est pas pareil. Là, rejouer au jeu... Et rejouer au niveau qu'on jouait sur la démo. Comme costaud. Et en plus, le terminer, ça fait plaisir. Bon, et bien, je suppose qu'on va avoir le droit à un boss. Allez, start. C'est parti. Ok. Des tasses, c'est original. Je sais pas comment faut faire là, par contre. Mince. À mon avis, il faut qu'ils sortent du truc pour pouvoir les attaquer. En fait, ça doit être un génie, je sais pas ce que c'est exactement. Ok, là il y a des trucs. Allez!
Ok, je l'ai pas eu. Puis deg. Oh, j'en ai eu un. Ok, donc il y en a plusieurs à tuer comme ça. Et de deux. Ok, il commence à faiblir, c'est bien. Ok, la tête. Allez, 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 la tête. C'est bon. Combien il en reste là? 3, 4, 4 je crois. Allez, meurs. Ouais, yes. Juste avant qu'il rentre dans sa tasse. Voilà. Bon, ça va, c'est pas bien compliqué, hein, on voit. Hein. Il en reste 3. Ok. 2. Ouh, 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 ça fait mal. Vous remarquerez, j'ai pas utilisé de bonus encore. Hein. Pas utiliser d'armes bonus. Bon allez, j'en utilise une. Allez, sur le génie direct. Ah oui, d'accord. Allez, bim. Prends mon rayon laser. Et voilà, il y a plus de boss. Qu'est-ce qui se passe? Vengeance. Excusez-moi. Ah, j'ai éraillé ma voix. Eh bien voilà les amis. Le monde 3, stage 3 est terminé. On va voir la petite cinématique pour aller au monde 4. Et voilà. Nous voici au monde 4. Eh bien, écoutez, on va se quitter ici. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. Ciao, ciao, c'était Ocrad. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao, les amis !